Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis un petit peu encore enrhumée, donc je vous m'excuserai parce que ma voix n'est pas tout à fait correcte. J'ai décidé de faire en haut de ma page une guirlande de Noël. Donc j'ai récupéré dans les petites feuilles pour la réaliser dans mon cahier hiver. Et je suis allée dans d'autres saisonniers que je possède, dans les ceux pour les voyons comment on les appelle comment déjà Happy Memories. Donc il y avait quelques petites choses là-dedans que je pouvais utiliser. Puis je suis allée dans le saisonné orange, donc le volume 816 et le 1557. C'est là-dedans que j'ai pris mes différents documents. Donc là, je suis en train tout simplement de mettre des petites branches. Je ne les mets pas tout à fait de la même façon parce que je veux que ça ait l'air vraiment d'une guirlande de Noël. Et je vais lui mettre du gui, je vais mettre des petites feuilles différentes que j'ai trouvées dans d'autres livrets. Quelques boules de Noël, des petits poinsettia, histoire de la décorer comme on décore une guirlande de Noël. Sur la feuille qui se trouve à ma gauche, vous voyez que j'ai mis différents autocollants. C'est tout simplement du papier parchemin. Donc, je peux prendre mes autocollants des différents livres, les mettre là-dessus. Et après ça, c'est parmi ces choses-là que je fais ma sélection pour réaliser ma page de planification. J'ai déjà inscrit le 21 que c'est la journée où débute officiellement l'hiver. Et oui, il fait peut-être froid depuis quelques semaines, mais l'hiver n'était pas commencé encore. Ici, on n'a presque pas de neige. On en attend un peu dans les jours qui s'en viennent. Mais c'est rare qu'on n'ait pas beaucoup de neige comme ça. Par contre, on va avoir des températures assez froides cette semaine. Donc, s'il y a quelque chose qui tombe, ça va être nécessairement de la neige. C'est peut-être pour ça que, vu qu'il annonce froid, c'est peut-être pour ça, le temps des fêtes, la semaine qui annonce froid, que j'ai mis mon petit foyer. Pardon.
Tiens, des petites boules de Noël aussi, ça va être très joyeux, ça va être joli. Des petites listes pour inscrire les choses à faire au quotidien, ou à ne pas oublier, ou à acheter. J'avais mis au préalable du washi un petit peu comme carotté et je ne veux pas le cacher, donc je vais tout simplement couper mon autocollant pour le rapetisser un petit peu et pour pas que ça cache le washi carotté que j'ai déjà installé. Pardon. Excusez-moi, prendre une petite gorgée. Donc, j'indique que j'ai trouvé une petite bannière sur laquelle il est marqué « I love this season ». Je trouve toujours que c'est une saison où les gens courent comme des fous, mais c'est en même temps un petit peu magique cette semaine-là, avant Noël. Je vais simplement la replacer parce que je trouvais qu'elle est en plein milieu d'une case, donc j'aime mieux que la commencer en vendredi, puis qu'elle se prolonge jusqu'à samedi, plutôt que de l'avoir à moitié là, le vendredi. Pardon. Un petit poinsettia, pourquoi pas, ça fait Noël. Donc, soyons présents. Et savourons le moment. En fait, être présent, c'est un peu comme si on utilisait l'expression carpe diem, savoure le moment présent. Pardon. Donc, je vais mettre une belle petite tasse de chocolat chaud
vendredi, journée où il annonce exceptionnellement froid ici. Et ça termine la planification de ma semaine. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Et on se revoit la semaine prochaine. Enfin, je l'espère. Bonne semaine. Bye bye.